papa, ah, j'ai vu. Faut partir, j'ai venu. Tu t'en vas jusqu'à en enterre demain. Aujourd'hui, monsieur n'est pas encore venu. Tout le monde te regarde. Si tu travailles là, tu attends quelqu'un pour enterrer ton papa. C'est vrai. Tout le monde dit le mariage. Mais aujourd'hui, la vie est chère. Un monsieur seul ne peut pas faire courant, l'eau, école des enfants, tout ça. Donc quand toi tu aides, tu as une place. Il y a des femmes qui sont là, je veux bon mari, mais bon mari veut bonne femme. Message, toi ton secret là, tu t'en donnes à quelqu'un pour dire, est-ce que c'est normal? Donc voilà déjà pourquoi je dois être prête pour aller, pour ne plus que mes messages. Mais c'est que là, toi on t'envoie un mandat, tout le monde connaît. Ouais, tout le monde regarde. Ah, c'est 50 000, hein. Si tu vas, il faut m'envoyer aussi 10 000, il faut m'envoyer ça. Donc, déjà, quand on vous dit de venir, il ne faut pas regarder ton âge. On n'a pas dit ça, on ne va pas aller faire comme CPM. Ils ont une façon de montrer aux grands, savoir écrire ton nom, savoir faire signature, savoir lire des choses. On n'a pas dit on va aller te faire comme au collège où tu vas passer beaucoup de choses, non. Il y a une stratégie, c'est pour ça qu'on parle de l'andragogie. C'est-à-dire que quand les gens sont grands, on ne va pas dire, bon, viens t'asseoir du matin jusqu'à le soir, non. Parce qu'il faut que tu sois motivé. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quand je vais savoir lire, moi-même, j'aurai confiance en moi-même et puis je ne serai plus complexé devant ceux qui travaillent, qui savent lire. Quand tu ne sais pas lire, tu arrives dans un bureau, tu es sapé comme ça. Et la femme là, madame, faut écrire papier. Moi-même, laissez, je vais revenir. C'est ça l'envie qu'on va enlever. Non. Même si tu n'as pas été, c'est pas toi qui t'as pas mise à l'école, il faut être celle qui va corriger ça. Mes parents ne m'ont pas mise à l'école. Mais aujourd'hui, on me dit, il y a quelqu'un, des gens qui vont venir faire alphabétisation. Qu'est-ce que je perds? Faut pas dire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci. Ah, c'est pour les enfants, non. Dans peu de temps, tu vas écrire ton nom. Et puis, tu vas comprendre. Donc, la première des motivations, c'est pour ne plus que tu sois une personne qui va dire, moi, on ne m'a pas mise à l'école. Oui. L'école que tu vas aller faire là, c'est pas pour aller travailler dans le groupe, c'est pour savoir compter, c'est pour savoir écrire, lire ton nom, pouvoir faire tes comptes, pouvoir remplir les choses. Ils connaissent, ils vont vous montrer les mains. Donc si tu te dis, il faut pas venir tout le temps. Parce que si tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Ah, mon mari doit manger, mes enfants doivent faire ça. Dans la vie là, femme pense trop à enfants, à mari, mais et toi-même. Alphabétisation dit de penser à toi-même. Qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas lire. Comme si je ne sais pas lire, président amène des gens pour venir vous enseigner. Il faut venir d'abord. Il ne faut pas t'asseoir là-bas pour dire hey, est-ce que moi je peux? Est-ce que ça fatigue? Non. Le premier jour, ils vont, quand on te montre même ton nom comme ça, c'est comme photocopie. C'est comme photo. Tu fais après. Comme tu es grand, l'enfant, lui, il est petit. Donc, sa mère est comme ça. Alors que toi, tu as tellement envie d'écrire. Et quand on fait, tu vois. Et puis, c'est comme dessin. Et puis, ça dessine. Et puis, ça écrit comme ça. Donc, c'est ça. Il faut être motivé. Dans la vie, il n'y a jamais de retard. Les seules personnes qui ne peuvent pas faire ce qu'ils devaient faire, et c'est trop tard, c'est ceux qui sont au cimetière. Mais tant que tu vis, tu es capable de faire. Regardez la voiture. Moteur de voiture, c'est être dans voiture et puis voiture roule, non. C'est moi-même qui m'encourage. Bravo, faut partir, faut partir. Donc, ton moteur est dans toi. C'est pas quelqu'un qui a dit, va, et non. Si tu enlèves le moteur dans la voiture, que tu mets dehors, la voiture ne peut pas. Donc, on dit, mon corps est un jardin. Ma volonté, son jardinier. C'est moi-même qui cultive les bonnes choses. J'ai décidé de faire alphabétisation. J'ai décidé de rattraper ce retard-là qui fait que je suis
gêné. Donc l'alphabétisation, là, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est pour les personnes qui sont courageuses, pour les personnes qui ont envie, pour les personnes qui savent qu'il n'est jamais trop tard. Et c'est pour ça qu'on est venu. Abidjan, tout est écrit. Quand tu arrives, tu regardes, on dit bus numéro temps. Donc dans l'alphabétisation, vous allez savoir écrire. Tu arrives à Abidjan, tu vois bus 21, bus tantan, où ça va. Mais des fois, tu es là, quelque part, toi, même tu tournes, tu cours. Madame, vous cherchez quelque chose. J'avais oublié, tu sais pas dit. Hein? Parce que façon tu es sapé là, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu sais pas. C'est ça. Le président dit non, je ne peux pas laisser mes soeurs, mes mamans, mes tantes comme ça. Parce que dans la vie, quand toi tu as reçu, il faut donner aux autres. Il faut voir, ils pouvaient acheter des cadeaux, venez vous donner. Mais c'est du matériel. Il décide de vous donner ce qu'on ne peut pas acheter. On dit ce que femme veut. Quand la femme a sa main dans quelque chose, là, c'est elle-même. Motivez-vous. Tu n'as pas vu une de tes soeurs qui est venue. Il faut aller la trouver. Je ne t'ai pas vu le fois à l'alphabétisation. Soyez solidaires. Soyez en groupe. Il n'y a pas de honte. On vient pour apprendre. Donc, il ne faut pas quand toi tu vas venir et puis l'autre s'est écrit, moi-même, là-bas, là, même, je m'en vais, même dans ça, encore, je ne vaux rien. On apprend. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut rien. Ne soyez pas complexés. Il y en a qui vont vite apprendre. Il y en a qui auront des difficultés, mais vous êtes en train d'apprendre. Femme de Yakasanto, est-ce que tu es d'accord? Aujourd'hui, on dit c'est vrai. C'était peut-être un destin, sinon tu allais partir. Voilà, président vient, il dit c'est vrai, tu es fâché contre tes parents, tu n'as pas pu t'attendre. Tes hommes qui avaient l'argent, ils ne t'ont pas mis à l'école. Aujourd'hui, toi-même, tu as l'occasion de rattraper ça. Il n'y a pas de personne. On dit non, c'est trop tard. Non. Parce que quand je me fâche, il y a conséquence sur moi. Et puis il y a conséquence sur la personne avec laquelle. Parce que je vais dire des mots qui vont blesser la relation, qui vont blesser notre camaraderie, qui vont blesser notre parenté. Enfin, je ne réfléchis pas. Surtout au niveau avec monsieur. Je veux que vous partiez, même quand vous allez aller faire l'alphabétisation, il faut respecter, il faut aller dire au mari, voilà ce que j'ai. Les hommes, c'est vrai, beaucoup n'encouragent pas. Mais tu lui dis pardon. Au moins, j'ai écrit mon nom, je peux lire ma carte d'identité, je peux lire. Je vais dire de négocier. N'allez pas faire l'alphabétisation avec palabre, avec votre mari. Il faut lui expliquer, il faut lui faire comprendre. Et même si on veut faire intervenir des gens. Parce que quand tu veux faire une chose comme ça, fais ça dans de bonnes conditions. Pendant que ton camarade là, il se répond. Là, tu prends le portable. Et tu es là, tu les regardes. Tu vas fouiller pour le temps. Maintenant, le problème, quand tu fouilles le portable là. C'est moi-même. Quand tu es une maman, quand tu es une femme, c'est vrai, tu es quitté au marché, tu es quitté vendre, tu es quitté faire les choses, et puis tu arrives à la maison. L'homme, il est l'homme. Il a envie de sa femme. Ah, tu aimes trop ça. Ah, c'est pas nourriture. Qui t'a dit c'est pas nourriture? C'est nourriture physiologique. Tu n'as pas vu comment les yeux d'un homme deviennent comme si il a fait. Non, femme. Ah, on est vieux maintenant. On est temps. Et on est vieux. T'as pas vieux dans ça. Je le dis parce qu'on ne sait pas refuser. Il y a une façon de dire, ah chérie, je suis fatiguée. Elle est là. Ou bien va aller prendre bébé, mais au milieu des lits. Non, il y a trop de plans.
À partir d'aujourd'hui, ce que je dis, il faut remarquer celles qui ont des enfants. Quand vous faites ça, c'est vous qui faites que les hommes n'aiment pas vos enfants. Jalousie sort. L'homme est jaloux même de son propre enfant. Si moi là, faut faire tiens, c'est vrai l'enfant là. C'est quel enfant qui tête comme ça? C'est pas cadeau, hein? C'est pas cadeau. Et la maman, même quand le monsieur vient, la maman ne va pas s'élever pour dire ah mon mari arrive. Elle est avec l'enfant. À cause de l'enfant, dit, tu as vu, l'enfant a même fait que je suis fatiguée, donc le soir même, je ne peux pas dormir avec toi. Il dit, ah, c'est lui qui fait. On va régler ça. Même quand l'enfant a 2 ans, l'enfant est derrière toi. Va chez tes frères dans la cuisine. Toi, me dis, ah, le petit a fait quoi? Mais c'est le petit qui fait que je ne gagne pas ma femme. C'est la partie la plus difficile. À partir de 12 ans, ce n'est pas ton enfant qui fait exprès. C'est des hormones de croissance. Ce qui fait pousser les seins, la barbe, tout ça, ça joue sur son caractère. Il ne réfléchit plus comme un enfant, il réfléchit comme moi. C'est l'âge de la maturité sexuelle. La fille, on peut l'enceinter, le garçon, on peut l'enceinter. Donc, cette chose-là change son caractère. Il s'oppose. Ils sont toujours en train de dire non. Il te répond. Il en parle avec toi. C'est l'âge de la provocation. Si tu dis on ne fait pas ça, c'est ça à faire. Surtout les filles et leur maman. Ils s'entendent, elles ne s'entendent pas. Rébellion. Il faut savoir leur parler. Ne les insultez pas devant les gens. Appelez-les. Tu ne peux pas parler à ton adolescent comme si tu parles à l'enfant de CP1, CP2. Ce sont des hormones. Je veux qu'on sorte d'ici. Je veux que vous soyez des parents renouvelés qui vont aller. Qui allait partir faire votre alphabétisation en étant libérée. Ma fille là se promène, elle est derrière. Et c'est l'âge de l'amour, hein, romantisme. Tant qu'elles n'ont pas goumé, goumé dehors là, tu leur parles, ça rentre ici, ça sort. Parce qu'elles courent en amour, ils disent même. Maintenant un jour tu la vois, tu ne sors pas. Elle fait comme elle est malade. Il y a quoi? Deux jours là, tu sors. Elle a vu que dehors là, ça brûle.